Oh, bah écoutez, on va prendre immédiatement cette intervention. On est sur une fin de journée avec une course de rue organisée. 500 mètres de l'autre côté de la bretelle. Oh, attendez, ils sont pas en train de revenir de notre côté par pur hasard? Je vais rester sur le pont juste au cas... Ok, non, ils vont carrément de l'autre côté. Ok, les gars, j'aurais jamais dû attendre. Ils vont aller super vite. Mais écoutez, on va voir la puissance de l'Alpine. Plein gaz, mesdames, messieurs. Oh putain, ils vont tellement vite. Oh les gars, je commence à arriver au bout de mon carburant. Putain, ils vont tellement vite. Ok, c'est bon, je les ai en visuel. Ils sont en train de foutre la merde sur l'autoroute. C'est pas possible, ils ont fait demi-tour sur l'autoroute également. Moi, j'ai bientôt plus de carburant, ça va être terrible. Putain, ils sont en train de se faire des pistes entre là. Oh, mais les gars, c'est l'anarchie. Ok, j'appelle immédiatement des renforts. Et j'appelle au moins deux hélicoptères. On est en code 3, je vais appeler... est-ce que je peux appeler un hélicoptère, s'il vous plaît? Est-ce que ça me le permet? Ok, Air Units. Oh putain les gars, je vais vraiment pas pouvoir poursuivre tout le monde. Ce gars est en train de... Oh mais le gaming, quoi? Oh putain les gars, j'arrive à la cour de carburant. Regardez mon pot d'échappement, je suis en train de perdre de la puissance. Les gars, oh putain, ils sont en train de foutre la merde. Bon, j'ai appelé un hélicoptère, je vais faire... Putain, c'est terrible. Les gars, cet épisode, c'est n'importe quoi. Les gars, je vais faire un petit arrêt. Un arrêt au stand, on fait le plein rapidement, en espérant ne pas les perdre, et je vais me réinjecter sur la poursuite dès que je peux. Ok les gars, putain, c'est la merde, les gars vont tellement vite. Je suis désolé, mais ils ont des voitures aussi puissantes que la Alpine, ça me fait galérer de ouf pour réussir à les rattraper. J'arrive pas à appeler des renforts parce qu'en fait, bah, ils arrêtent pas de changer d'autoroute, en fait, du coup, mes renforts, ils sont... Putain, bon, écoutez, je vais partir sur le mec qui est parti sur cette bretelle. Ok, on est sur cette petite voiture, du coup. La Massacro, il me semble que c'est une Massacro. Je vais appeler, du coup, des renforts. Je prie juste pour que les autres réussissent à se faire arrêter par les collègues. Je vais appeler beaucoup de renforts sur cette poursuite. Putain, je laisse tomber la zone tourneau parce que là je pouvais pas la choper. Écoutez, je vais tenter un pit, ça dure depuis beaucoup beaucoup trop longtemps. Ok, pit. Oh putain, ça se passe pas bien du tout. Ok, on a les collègues devant, je vais essayer de les laisser intervenir, de leur laisser un petit peu de champ de manœuvre. Allez les gars, faites-nous un barrage mobile, faites-nous un truc intelligent. Non, exactement le contraire de ce que vous venez de faire. Oh putain, c'est le retour de Jean-Marcel avec sa voiture incroyable. Oh putain les gars, oh putain, what? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta Mégane là? Putain, c'est quoi ça? C'est de la jalousie envers la nouvelle Alpine ou quoi? Putain, il m'a défoncé l'arrière. Putain, la bagnole. Bon, on va pas parler de l'état de la voiture. Mais écoutez, les collègues n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Je vais me remettre en top priorité sur l'avant. Oh, attendez, j'ai le collègue qui va tenter un pit. Oui! Putain! Putain, c'est un échec. Ok, je vais tenter un autre pit. Ouh, le motard! Le motard qu'on vient d'envoyer sur la voie d'en face. Ok, ça va, il est toujours debout. Oh, le mec est derrière nous. Oh putain, c'est terrible. Le mec refuse... Ah mais putain les gars, stop. Le mec refuse de t'enterrer terriblement. Je vais faire... Qu'est-ce que je peux... Je vais essayer de tenter de poser une herse. Oh putain, le collègue qui fait nimp. Ouais, je vais essayer de poser une herse. Ok, je vais prendre un petit peu les devants. En plus, on revient vers la ville. Ça sent très très mauvais. Je viens de drop une herse. Ah putain, il passe à côté, il fait chier. Je vais reprendre de la vitesse et je vais tenter de poser une deuxième herse. Ouh! Ok, 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 je vais essayer de l'arrêter direct. Mec, arrête-toi! Les mains en l'air! Oh, j'aurais probablement jamais dû descendre de la voiture. Les mains en l'air! Tout de suite! Oh putain, il se rend génial! C'est incroyable, il a tapé le volant et tout. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour course de rue organisée. Monsieur, mettez-vous sur le sol immédiatement. Oh putain, ça va être la merde avec la bretelle d'autoroute là. Monsieur, au sol! Ok monsieur, vous êtes donc en état d'arrestation pour course de rue illégale, refus d'obtempérer, destruction de Alpine A110 neuve. Ça va être un gros problème. Ok monsieur, on va vous appeler un transport de prisonniers. Je vais également en profiter pour vous fouiller. Oh non pardon, je sais pas du tout la fouille ça. Je sais plus comment on fait pour... comment on fait pour vous fouiller monsieur? Ah bah écoutez, il est trop tard, j'ai pas pu vous fouiller. Par contre, je vais fouiller la voiture, ça c'est une certitude. Bon, je fais ça sur route ouverte. Mais les gars, on va pas m'en tenir rigueur. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa voiture? Est-ce qu'on peut lui inculper plus de choses? Un bras prosthétique, un flacon de morphine, ok. Sac de provisions, un grippin, hein, ok. Et un sweet discord. Bon bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. On va appeler une dépanneuse. Hein. On va appeler une dépanneuse. Ok, bah les gars, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Oh putain, regarde.